Monsieur le maire adjoint au sport de Romainville, Monsieur Kessel, Monsieur le consul général du Mali en France, Monsieur Mangal Traoré, Monsieur le président de l'Association des anciens sportifs maliens en France, Monsieur Seiba Koulibaly, Mesdames, Messieurs, honorables invités, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole pour associer ma voix au concert d'hommage à un homme au nom évocateur, à plus d'un titre, pour le football malien, voire africain. J'ai nommé Fanta Mali Keïta, dit champion. Je tiens tout particulièrement à remercier la SOMAF pour cette initiative. Mieux, je me permets de dire que cet hommage est attendu, tant l'homme qui en fait l'objet est un symbole, tant de nombreuses années sont passées depuis qu'il a raccroché les crampons, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Fanta Mali Keïta n'est plus à présenter, même s'il est vrai que les jeunes générations le connaissent moins. Pour moi, il est une source d'inspiration, je dirais même une source d'aspiration. Son nom est associé à la plus glorieuse page de l'histoire du football malien, rappelle inéluctablement ce qu'il est convenu d'appeler avec délectation Yaoundé 72. À la CAN de cette année-là, Fanta Mali Keïta et ses coéquipiers ont offert au Mali d'intenses moments de plaisir pour finir vice-champion d'Afrique. Attaquant à la force de tir et au tact légendaire, Fanta Mali Keïta a inscrit 5 buts, devenant le meilleur buteur de l'édition. Et meilleur joueur d'Afrique. Ce sacre, les Maliens ne sont pas prêts de l'oublier. Poursuivant sa carrière, Fanta Mali Keïta confirmera son grand talent au sein du club renommé aussi bien au Mali, notamment avec l'AS Real de Bamako, qu'en France avec le Stade Rennais, l'AS Angoulême et le FC Chaumont, ainsi qu'aux États-Unis avec les Furies de Philadelphie. Pour les joueurs encore actifs comme pour nous autres admirateurs, Fanta Mali Keïta est et demeurera une fierté du Mali. Nous souhaitons que sa grande expérience soit transmise aux générations actuelles du football malien pour maintenir notre pays dans le peloton de tête des pays du football. Enfin, je voudrais encore une fois féliciter au nom du Mali les initiateurs pour cette belle initiative, cette reconnaissance et leur dire tout le soutien des autorités à l'action de la diaspora. Merci. Merci.